Bonsoir tout le monde, c'est Johan, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'épisode suivant sur Empyrion Galactic Survival avec notre astronaute préféré, bien entendu, Sofiane. Bonsoir, mesdemoiselles et mesdames. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Nous sommes aujourd'hui sur la suite, en tout cas, on espère que l'épisode précédent vous a plu. Nous, vraiment, on est à fond dedans. Donc, comme vous voyez, ça a avancé très légèrement. Donc, on va dire que, en pratique, on n'a pas avancé tant que ça. Voilà. En revanche, sur le plan technique, on a appris beaucoup de choses. Pas vrai, Sofiane? Exactement. Si tu veux bien le confirmer, bien entendu. Donc, la dernière fois, on s'était quitté, on faisait une petite balade à moto. Donc on avait continué un petit peu de jouer avec Sofiane, on vous a épargné toutes les heures de farm, mais un truc de fou. On a farmé, mais comme on dit dans le jargon, comme des portions. C'est un truc de fou. Donc voilà, là vous voyez qu'on a fait un petit bout de base, tranquillou. Donc on va expliquer un petit peu à nos très chers internautes ce qu'on a fait. Sofiane, si tu veux bien nous faire une petite visite guidée s'il vous plaît, je vous en supplie. Monsieur? Madame? J'ai déjà une jambe fracturée. D'accord, ça commence bien, j'ai pas de bandage pour toi. D'accord, ça c'est mon inventaire. Alors bien entendu, on a toujours notre bécane, voilà. On a quelques balles de pistolet. Exactement. On a des balles de fusil à pompe. Parce que oui, on a crafté un fusil à pompe. Eh ouais, on a pas trop de temps nous, avec Sofiane hein. Ah moi voilà. J'ai... Donc, étant donné qu'il est parti à l'ouest, je vais vous faire la petite visite guidée. Nous avons ici le noyau, donc c'est là d'où va commencer ça, la base. Ça c'est mon bébé, ça voilà. C'est mon enfant. Ça. Voilà, ça c'est le bébé à Sofiane. Ça, voilà. On a posé 2-3 blocs voilà. Autour. Ça c'est le grand constructeur, donc en fait c'est l'équivalent de la petite table de craft qu'on pose si vous voulez. C'est l'équivalent de ça, exactement. Sauf qu'on va pouvoir crafter beaucoup plus de choses là-dedans. Voilà, vous voyez que là on peut crafter vraiment beaucoup plus de choses. Ici on a des panneaux solaires, donc c'est ce qui nous sert à alimenter justement, bah, quand il fait jour en fait. Notre enfant. Ça nous quoi. Sert à alimenter notre enfant, voilà tout simplement. Soit le grand constructeur, le petit générateur qui est juste ici. Et ça c'est quoi Sofiane? Le condensateur solaire, ça sert à quoi? Condensateur solaire, si tu veux, c'est pour qu'il prenne l'énergie et j'ai pas encore activé. Pour qu'il prenne l'énergie. D'accord, franchement là, je comprends pas trop. Donc aujourd'hui, Sofiane, moi je te propose. Je te propose qu'on se fixe un objectif pour cet épisode. En tout cas, regardez, on s'est fait une petite installation au bord de la plage et tout. Je te propose un objectif, Sofiane. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on aille visiter. Alors attends, peut-être pas le réacteur abandonné parce que ça va être chaud patate là-bas. MS Titan Crash, parti avant. J'ai pas montré à nos internautes ce que j'avais dans ma petite table de craft. Vous voyez que, au niveau, alors on a farmé, mais comme des porcs, je vous dis. On a farmé à fond. Le cuivre, le fer, le silicium, j'ai de la fibre, on a du prométhium. Donc voilà. On a des matières premières, on a des lingots. T'as combien de fer, toi? J'en ai 574, moi. Désolé, j'en ai besoin pour faire un vaisseau. Non, la vérité, pour que on... La vérité. J'en ai besoin pour faire un vaisseau, monsieur. Non, mais je vais t'en faire un maintenant. Ne fais rien, s'il te plaît. Je vais faire un vaisseau de base. Déjà, monsieur, je vais dans mes trucs. Voilà, je vais dans mes arbres technologiques. Alors, petit vaisseau. Non, c'est over. Hein. Voilà, je vais plutôt faire over. Je t'en supplie, vas-y, je vais te montrer. Je vais faire un truc de ouf. Attends, laisse-moi. Mais il me laisse tranquille, oui. Tu vas me laisser tranquille. Je débloque un petit peu tout ce qu'il faut pour construire un vaisseau, monsieur. Mais non, les tourelles et tout. Pas comme ça. Ah bah si mais c'est non, comme regarde, ça. Je vais te montrer comment on va faire un vrai vaisseau trop beau. Tu verras, vas-y. S'il te plaît, prête-moi ton fer. Je te le rembourse. S'il te plaît. Bah donne-moi en 200 sinon. S'il te plaît. Ah one shot, allez. C'est alors... quoi ça? S'il te plaît là. S'il te plaît là. Je préfère. Hein. Allez, tiens. Attends. Je t'en donne la moitié là. Vas-y, la moitié, ouais. Vas-y, tiens. Merci, femme. Ah salaud. Eh, ça commence à faire nuit, Sofiane, chez nous là. Oui. Ça commence à faire bien nuit là. J'ai un petit peu faim et tout. 300 lingots de cuivre, il me faut maintenant. J'en ai 974. Fondu. Tu peux m'en passer 200? Ouais. S'il te plaît. Peut-être, éventuellement. Alors. Qu'est-ce qu'il te faut pour le vaisseau? Qu'on aille visiter le crash du Titan. On a dit à nos internautes aujourd'hui, l'objectif, c'est aller visiter le crash MS Titan. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'il en est sur la carte. Voilà, il est juste par ici, quelque part par ici. Oh voilà, ici à côté du lac, Sofiane. Oh, au pôle putain. Sud. Quoi? Dans une heure, on l'a. Dans une heure? Ouais. Ah bah, Inch'Allah, ce sera pour l'épisode prochain. On y va en bécane, alors.
Ouais. Dans une heure, bah, ça met du temps, toi-même, tu sais, ça met du temps, les crafts. Hein. Bah ouais, dans une heure, t'as le vaisseau, là? Dans une heure, j'ai un vaisseau de bâtard. Bon bah écoute, moi je te propose, Sofiane, aujourd'hui, c'est qu'on aille visiter le Crash MS Titan en bécane, avec nos petites motos. Mais tu ne conduiras pas, mon vaisseau. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Répète. Quoi? J'ai rien dit, quoi. J'ai dit quoi? Répète. Hein? Oh, j'ai dit que t'allais pas le conduire, mon vaisseau. Allez, vas-y, là. Allez, là. Et par contre, attends, quand ça commence à faire nuit, il tourne plus, le grand constructeur, là. Je sais pas, Inch'Allah qui tourne, hein. Ouais, Inch'Allah qui tourne, parce que je pense qu'il accumule l'énergie solaire, à mon avis. Je sais pas, condensateur solaire. Tu vois, ça doit être grâce à ça, à mon avis. Ça, c'est pour capter le soleil. Ça, ça stocke l'énergie solaire. Ça alimente le petit générateur qui alimente le grand constructeur. C'est tout un micmac, mais on se comprend. On va aller faire un raid au niveau, tu sais, des trucs, là. Non, 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 pas les réacteurs abandonnés. On n'est pas assez stuffé, Sofiane. Mais j'ai en plus un pompe et un fusil d'assaut. On n'est pas assez stuffé, monsieur. On n'est pas assez stuffé, là. T'inquiète pas, on est assez stuffé, Nathan. Attends, je recharge mes trucs, moi. N'oublie pas qui tu es. Et là, franchement, là, on est équipé, mon vieux, mais laisse tomber. On est équipé comme Jaja, mon vieux. Oh, je suis refait, là. J'ai 1000 balles de fusil d'assaut, c'est bon. Vas-y, 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 vas-y. Je suis là, je suis en soutien. Ouais, il m'a enlevé de la vie, le bâtard. Vas-y, c'est bon, il est mort. Bien joué, vas-y, on s'en prend la viande, ouais. Ouais, je prends au moins. Je prends la bouffe au moins. On est parti pour la grande aventure. Là, oh putain, vas-y, on s'en fout du raptor, on s'en fout. Yes, c'est tout droit, c'est là-bas. Vas-y, je te suis. Ouais, c'est là-bas, yes. Par contre, je te sens trop chaud pour le spaceport, là, tu vois. Faut passer le spaceport. Je te sens beaucoup trop chaud. Alors, en fait, ça, c'est une zone de chargement. Vous voyez, quand on le passe, hop, ça fait un petit chargement. Et on se retrouve de l'autre côté de la planète, en fait. Il est là-bas. C'est une sorte de barrière. Oh, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Moi, je me casse. Je me casse. Faut y aller tranquille, mon vieux. C'est de l'infiltration. Snake. Fais gaffe, y a un dinosaure qui te suit. Ah ouais, j'ai vu, ouais. Touché. Vas-y. Paniqué le... Il est mort, je crois, il est mort. Ah non, il tue. Il me suit. Vas-y, casse-toi, toi. Vas-y, j'arrive, Sofiane, j'arrive. Je suis devant le spaceport, Nathan. T'es dedans? Ouais, je suis dedans. Enfin, je suis devant, là. Pile devant. Les drones, tu crois que ça sneak, ça? Ouais, on peut prendre les... Après, quelque part, on peut avoir des lance-roquettes, dis-toi. Ouais, non, mais c'est les tourelles vertes qu'il faut niquer? Ouais, c'est les tourelles vertes, toi. Ouh! Yes! Ça fait rien, j'ai l'impression. On n'a pas les armes adéquates, là, pour l'instant. On a... Je crois qu'il faut des lance-roquettes ou des charges explosives. Hein. Attends, moi, je te dis, sors de là, sors de là. Il faut de la bombe nucléaire, ouais. Bah ouais, faut de la bombe nucléaire, sors de là. Vas-y, attends, tu me vois, là Protège-moi, Nathan. Vas-y, je te couvre. Vas-y, je te couvre. Vas-y, fonce. Je me fais shooter. Ah, j'ai pris une balle. Je te couvre. Vas-y. Ned, oh putain, je suis mort. Moi, je suis mort, loin. Moi, je te dis, franchement, faut des lance-roquettes pour niquer ça. Oh putain, il me vise, C'est bon? Allez, bâtard. T'as ton backpack? Ouais, c'est bon, j'ai récupéré mon sac. Vas-y, je prends la bécane et tu vas me suivre, cochon. On va direct au MS Titan. Ouais. Je m'écarte juste un peu parce que là... T'es prêt? Wouh. Allez, vas-y, go. C'est bon, moi, il me voit plus, Nathan. Go, on se casse. Ouais, moi, il me voit. Vas-y, trace avec la bécane, trace. Vas-y, je te suis. Vas-y. Tu vas où? Bah, au MS Titan. Bah, on continue tout droit, ça veut dire. Ouais, tout droit, bah suis-moi. Bah, à mon avis, ça va être un peu plus safe ici, je pense, parce que les spaceports, c'est chaud. Faut des charges explosives, lance-roquettes, cochon et tout. Laisse mon inventaire. T'as eu 550 de balles fusil d'assaut, t'en reste déjà 300. Bah mon vieux, moi, moi j'ai pas chômé, hein. J'ai tiré, moi, mon vieux. Non, quand tu tires. Ah non, mais j'ai tiré, en fait, moi. Tu paniques. Non, je panique pas. J'ai tiré, monsieur. Vas-y, on y va en moto. Hein, je fais pas semblant. Tu vas en moto, rien à foutre. Mais non, pourquoi tu veux y aller en moto, cochon? Par contre, tu vois, il nous aurait fallu une foreuse ici, là, cochon. Ouais, mais la foreuse, faut la crafter. Ouais, faut la fabriquer, ouais. Parce et que ça, je pense pas qu'avec ça, tu peux ramasser. Et il faut des charges de foreuse. Tu mais vois... Mais par contre, y'a rien dans ton truc de merde. Y'a rien parce qu'on n'a pas la foreuse. Mais si on avait la foreuse, on pourrait prendre des plaques, des portes et tout. Elle est où, la partie avant du MS Titan, là? Et ah, ok, d'accord, elle est là. Ouais, vas-y, je vais mettre un point. Ah ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais, t'as compris, maintenant? Okay. Ouais, j'ai compris, monsieur. Bon, on y va? Waouh! Enlève ta grosse lampe torche. Tu la vois, la lumière de ma grosse lampe torche? Ah ouais, elle est trop puissante, elle casse les yeux. On aurait une vraie foreuse, tu pourrais les défoncer, ces trucs-là, tu vois?
Ouais, mais il nous faut des batteries à foreuse. Je vais te montrer le vaisseau. Arrête, on a le vaisseau ? Let's go, rentre à la base, rien à foutre du reste. Attends, arrête. Vas-y, j'arrive. M'en fous, c'est moi qui le conduis. Comment ça, c'est toi qui le conduis ? Bah écoute, c'est simple, hein, c'est celui qui arrive le premier à la base qui le conduit. Hein. Non. Ouais, bah ouais, il s'est fini dans un print en plus. Hein ? Le premier qui ouvre le grand constructeur, c'est lui qui l'a, hein. Vas-y, c'est ça. T'es un bâtard, t'as pris trop d'avance, toi. Tu l'as pris de l'avance, hashtag triche. La vérité, je sais même pas si je m'en vais dans la bonne direction. Là, y'a un sac à dos. Oh, c'est tellement beau par là, j'ai rien à foutre du sac à dos. Wow. C'est tellement beau, franchement. En vrai, le jeu, il est vraiment putain de beau, quoi. Les effets de lumière et tout. C'est devant la route, en vrai. Non, moi je m'arrête pas au spaceport, on va encore crever, mon vieux. On n'est pas assez stuffé. Il nous faut des lance-roquettes, cochon. Des lance-roquettes, t'entends ? C4, explosif, lance-roquettes, bombe. Celui-là, il est plus facile. Celui-là, il est moins beau. Celui-là, il est moins futuriste que l'autre. J'aime quand ça claque. En fait, j'ai tout enfin. J'aime quand c'est périmé, quand c'est surgelé. En fait, j'ai tout enfin, quoi. Tu veux que je te dise, Sofiane ? Quoi ? Tu vois la lune ? Non. Eh ben, c'est pas grave, bientôt on va la voir, on va aller dessus. Voilà. Oui ? C'est le grand objectif de ce jeu, c'est d'aller sur la lune. Ouais, on va aller sur la lune, Sofiane. Tu ramèneras la lune pour moi ? Je te le promets, Sofiane. On est à 6 mètres. On va aller sur la lune. Non, moi je suis à 500 mètres. Ah bah oui, toi, parce que t'es à 500 mètres de moi, logiquement, tu es à 500 mètres de la base. Allez, salut, Sofiane ! Attends, arrête, ne le casse pas, c'est hyper fragile, ces merdes. Attends, viens. Allez, bye, sayonara ! Arrête ! C'est ce bâtard, là. Je vais mettre du carburant et toi, tu me fais décoller. On se retrouve sur la lune ! Enfoiré ! Et t'inquiète, j'arrive. Attends, j'arrive pas à le piloter, Sofiane. Tu vas le casser, arrête, on a mis trop de temps à l'avoir. C'est bon, vas-y là, c'est bon. Vas-y, pleure pas là, je te le rends ton vaisseau de merde là. Vas-y là, on va sur la lune là, va dans la lune là. Vous devez arrêter le vaisseau pour pouvoir sortir du cockpit. Comment t'arrêtes le vaisseau ? T'appuies sur N. Ah, je crois que c'est pas celui-là pour aller dans l'espace, cochon. Bah, viens à la base, je vais poser un siège. Pour toi. C'est pas ce vaisseau pour aller dans l'espace, moi je pense. Il faut un cockpit, cochon. Je vais pas installer un siège comme ça là. Sur la coque du vaisseau. Je vais pas m'asseoir sur le vaisseau. Il me faut un cockpit là. Over vaisselle, ça va être pour se balader sur la Terre. Les CV. Oh non, putain, c'est un CV qu'il faut. On en aura jamais. Jamais.